Yo la team, bien ou quoi c'est Zike. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer un petit aperçu de mes entraînements, d'accord. Je vais vous montrer comment ça se passe dans mes entraînements. Depuis toutes ces années, je m'entraîne comme ça tout seul. C'est pas évident, mais on fait ce qu'on a à faire. Allez, on y va, c'est parti, let's go. Ça y est la team, on est arrivé, on est prêt. Donc, avant tout entraînement que je vais vous montrer là, pensez à bien vous échauffer et à bien vous hydrater. C'est parti, let's go. Bon, la team, c'est parti. Au calme. On va commencer l'échauffement avec ça. Ah non, non, les gars. Je rigolais. Hein. On s'est déjà bien échauffé. Ben, c'est parti. Pour une bonne rep. Donc vous faites ceci, ça travaille bien le haut des pecs. Vous faites 4 séries de 10 reps et vous allez voir, ça envoie. Allez, on souffle un peu. Ok, on va faire super set avec les poids de 50 kg. On va faire 15, les poids de 40 kg, on va faire 10, et les poids de 36 kg, on va faire 5. C'est parti. Bon, c'est parti. Super 7. C'est chaud. Faites comme ça. Encore 3 séries comme ça là. Vous êtes au max. On va souffler encore un petit peu. On va envoyer après. Let's go. Les gens. Vous êtes bien sagement, proprement, soit dans vos lits, soit assis en train de regarder ce que je fais. Très très important, l'hydratation. Je vais bien souffler un peu. On se ressourcer, se recharger pour envoyer au max. Vous avez capté? Tu peux couper. Bon, la team, comme vous avez pu voir là, on a envoyé du lourd, du très lourd. Là, il reste un dernier exo en pec, développé couché. Ils sont juste là, regardez. C'est 40 kg. Ok, on va envoyer ça. C'est la dernière. Je te souhaite bon courage. Comme j'ai dit, 40 kilos. Parce que pour moi, bien sûr, c'est 40 kilos. Vous avez capté? Allez, c'est parti. On a géré les 40 kilos, enfin 140 kilos. Bon, c'est parti. Bon, ben voilà la team. Pour moi, c'est terminé avec vous. Voilà, c'est la petite dernière vidéo là, au développé couché avec 40 kilos. Surtout, ne faites pas ça tout seul. Soyez accompagné d'une personne. Voilà, parce que c'est très dangereux. Moi, je le fais lourd.
m'entraîne tout seul comme ça parce que j'ai l'habitude au calme. Donc voilà, il faut que vous buvez beaucoup d'eau et échauffez-vous avant de vous entraîner parce que c'est très très important, ça évite les blessures. Donc il y aura d'autres vidéos je pense. En tout cas, bah, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, page Facebook, Instagram, voilà, que je postais à la fin de cette vidéo. Big force à vous, on va se connecter, c'est Ziquet. Bang, bang, bang.